Chère Reliance, nous sommes collectivement portés par notre raison d'être. Agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général pour construire un monde de confiance. Pour donner vie à cette raison d'être, nous nous engageons à sécuriser et permettre la continuité de l'activité de nos sociétaires et clients, mettre la loyauté au cœur des relations entre nos parties prenantes, innover et entreprendre pour construire un futur souhaitable et contribuer à un monde durable. Inscrite dans les statuts de CHAM, société mère du groupe Reliance, cette mission anime plus de 1000 collaborateurs du groupe en France, Espagne, Italie et Allemagne. Par conviction, en tant qu'acteurs économiques, nous sommes convaincus que nous avons un rôle politique à tenir et le devoir d'agir pour une société meilleure. En tant que groupe mutualiste, il est de notre responsabilité d'œuvrer pour le collectif, avec solidarité et équité. Enfin, en tant qu'employeur, il est essentiel de donner du sens à l'action à chacun de nos collaborateurs. Reliance a toujours été très engagée aux côtés des acteurs de la santé et des territoires. Être entreprise à mission, c'est opter pour un modèle exigeant qui impose d'affirmer ses ambitions, les partager, s'engager dans le temps long, définir des objectifs concrets, impactants et réaliser un suivi des résultats rigoureux. C'est un modèle qui impose aussi de se soumettre au regard impartial d'un organisme tiers indépendant et encourage à ouvrir sa gouvernance. En cela, devenir entreprise à mission nous permettra d'aller plus loin dans nos engagements. C'est aussi pour nous l'opportunité d'affirmer une mission ambitieuse, porteuse de sens, créatrice d'innovation, génératrice de renouvellement. C'est envisager autrement nos relations avec nos parties prenantes dans l'objectif d'atteindre un but plus grand que le seul intérêt économique de notre entreprise. Enfin, devenir entreprise à mission, c'est une formidable occasion de valoriser l'implication, la contribution sociétale des collaborateurs Reliance. Alors peut-être, sans doute, nous aurions fait tout cela sans la loi Pacte. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons choisi de devenir entreprise à mission et de faire de cette qualité un accélérateur de notre transformation. Dans ce type de démarche, la légitimité tient autant de la sincérité de l'engagement pris que de la capacité du collectif à se mettre en mouvement avec cohérence et exigence pour donner vie à sa mission. Lorsque nous définissons notre raison d'être, notre objectif est de décrire ce qui nous caractérise, ce qui nous singularise. Une entreprise qui agit, entreprend, délivre, qui innove de plus en plus pour anticiper les évolutions de son environnement. Une entreprise qui souhaite apporter la confiance dans les écosystèmes de ses sociétaires et clients, en contribuant à sécuriser, renforcer, pérenniser leur activité afin d'éviter les risques afférents et limiter leurs conséquences. Une entreprise qui met l'humain au cœur de son action et se positionne comme un partenaire fiable sur qui l'on peut compter, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général. Devenir entreprise à mission est une démarche volontariste et personnelle. Nous avons donc tenu à décliner notre projet dans cet esprit, donnant la part belle au volontariat et une importance particulière à ce qui fait notre différence, notre singularité. Lors de la première étape du projet, nous avons associé plus de 100 personnes, représentant nos collaborateurs, administrateurs, sociétaires, clients, partenaires, fournisseurs, institutionnels ou autres acteurs du secteur associatif. La deuxième étape, qui a consisté à décliner les objectifs sociaux et environnementaux en engagement et action, a mobilisé près de 200 managers et collaborateurs. La troisième étape sera déclinée tout au long de 2021 par les plus de 1000 collaborateurs du groupe lors de la construction de leur feuille de route. La mission sera donc déclinée très concrètement dans les plans d'action de chaque équipe de Reliance. Chaque collaborateur aura un rôle à jouer en tant que contributeur de la mission.